Oui. Bienvenue à Woodhunt. Entrez. Donc vous allez voir quelques pièces en découvrant le lieu. Et je vais essayer de ne pas trop vous tourner le dos. Voilà, bienvenue à l'atelier, au bureau. Voilà, c'est Rita, designer. Et moi-même. Voilà. Nous sommes en train de sculpter un objet qui donc je ne connais pas encore la fonction finale, donc pour l'instant je découvre en travaillant cet objet. Donc. J'ai attendu bien longtemps pour le trouver, quand j'ai décidé de prendre, beaucoup de facteurs m'ont aidé. Un, la lumière, deux, la hauteur des plafonds et trois, la localisation de ce bureau qui est dans un lieu industriel où je suis proche de tous les corps d'État avec qui je travaille, donc ferronnier, menuisier, ébéniste et peintre, qui se trouve dans le même immeuble. Voilà, donc c'est un endroit auquel je suis très attaché parce que c'est un lieu où je m'inspire beaucoup, parce que c'est un lieu qui est calme, donc ça m'aide beaucoup dans mon process de création. Peut-être cet objet finira par être un luminaire. Voilà. Donc, il commence à prendre forme, on va dire. La partie démarrage des travaux, parce qu'on a dû refaire l'aménagement de l'espace. Donc c'était dans un état assez catastrophique. Donc ça, c'est la partie la plus difficile à faire. Et le meilleur souvenir, c'est l'ouverture que nous avons fait il y a 2 ans. Nous avons eu un très bon retour et les gens, quand ils viennent, ils aiment parce que c'est spacieux, parce que c'est lumineux. Voilà, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, qui est l'ouverture en fait de ce lieu. Entre le dessin et l'exécution, il y a tout un monde. Donc c'est un moment de détente absolue quand il s'agit de finir les pièces, parce qu'il faut être dans le calme total, et aussi c'est un moment de relaxation. Alors mon objet fétiche que j'aime beaucoup, c'est ce tableau. C'est une œuvre d'art qui m'a été offerte par mes parents le jour de l'ouverture de ce lieu. Et c'est un peintre français qui s'appelle le docteur Jolm, qui s'est converti à l'art après avoir été médecin pendant de longues années. Je l'aime beaucoup, ce tableau, parce qu'il représente beaucoup de choses, beaucoup de vie et beaucoup de profondeur, et beaucoup de lumière surtout. Voilà.